Hello les amis, bonjour à tous, c'est Jaden, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouvel épisode de Dreams Legacy. Et j'espère que vous avez vu l'épisode précédent parce que c'était pas mal, c'était pas piqué des hannetons comme on dit. Donc, notre petit Jade était sorti prendre du bon temps pour prendre du bon temps en fait. Non, on avait juste voulu essayer de se trouver un gars, par contre je sais pas ce que le père il fout dans la chambre de la gamine, mais écoute, tu vas... J'ai mon chat qui joue à côté, c'est pas grave. Tu vas pas m'ennuyer, hein. Et toi aussi, tu vas dormir. Parce que là, vous me... Hein? La petite, elle est où? Ah, elle dort. Ah, ok, elle dort. Ok, tout va bien. Ouais, par contre, vous m'avez dit... oui, vous avez remarqué que Pierre a grossi. C'est vrai, Pierre a un peu grossi. Bah, il est bien, hein. Il est heureux, hein. Quand on a une relation de couple et qu'on est heureux, généralement, on prend un peu du poids. Moi, j'ai pris ma kilo, mais en ménage avec mon homme, donc... voilà. Hein? Donc voili voilou. Bah dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? Ce serait peut-être bien qu'on essaye de regrimper ces trucs à la gamine ici. Je regarde, est-ce qu'il n'y a pas un mec qu'on peut... Mathieu... What? C'est quoi? C'est quoi ce nom swag? Et tu vas directement jouer comme ça? Ouais, d'accord, ok. C'est vrai que t'as pas, peut-être pas. J'avoue, Jade, t'es pas en mode. J'avoue. Ah oui, tiens, certains m'ont dit qu'ils préféraient la coiffure qu'elle avait avant. Moi, je l'aime bien comme ça. Enfin, moi, je l'aime bien comme ça, donc elle restera comme ça. Voilà, désolée. Hein. M'en voudrais pas, hein. Allez, zou. Même un peu plus vite. Ok. Donc ce soir apparemment il y a un truc. Il y a un opéra. Si tu veux. Pourquoi j'arrive pas à... Ah voilà, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a là, le frigo? Il pète des câbles. Hop, prendre le petit déj. Ah oui mais c'est vrai, j'ai une super jolie boule à neige que j'ai achetée là-bas. Je vais la mettre sur mon bureau ou je sais pas, je vais essayer de trouver un endroit. Attendez. Oh là là, ouais, mais non, ces ballons. Oh non, mais ces ballons, non, je vais les retirer. Ils sont pas terribles. Enfin, c'est plus trop dans. Voilà, quoi. Est-ce que je peux peut-être avoir un truc genre des étagères pour mettre ma boule à neige? Je veux garder. Je veux ma boule à neige. Ma boule à neige! Ce jeu, en fait, j'ai tellement de contenu personnalisé que chaque fois, il m'a fait. Oh putain, attends, 2 secondes, je charge tout là. Oh. La violence du jeu. Voilà. Ah, c'est donc que je vais pouvoir mettre ma petite bouboule à neige. J'espère, j'espère. Voilà. Oh, regardez, c'est trop mignon. Oh, adorable. Adorable. Bon. Tu as mangé un bout? Non, tu veux pas manger? C'est quoi ça? Oh, d'accord. Du de choix, allez ouvrir. Mange, prends une portion, t'as... tu veux mettre ta faim. Bon. Donc c'est le soir à 8h son truc. Ou à 8h? C'est à 8h? J'ai dit ok pourtant normalement. Bon. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh, attends, attends, attends. On va peut-être éviter de faire ça maintenant parce que là ça va être la débandade pour ton père. Hop. Hop. Plus de choix. Ouvrir. Hop. Pendant ce temps-là, on va la faire jouer un petit peu parce qu'elle a encore un petit peu... Elle n'a pas encore un truc tip-top, hein. Ok, bien, c'est vraiment sympa. D'accord, ok, ben merci, ok, c'est gentil. Lui, on va le faire manger. Lui de choix, ouvrir. Hop. Et elle, hop, douche.
Prendre une douche tonifiante et ça sera très bien comme ça. Allez, arrête de. Voilà, c'est très bien. Donc, notre but. Est-ce qu'on a fait notre devoir? Tiens, aussi en parenthèse. On a fait notre devoir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on pouvait faire? Oh, elle a plusieurs points en jeu vidéo. Soit qu'on pourrait lui faire faire ça comme carrière plus tard. Le marché aux puces. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. On va la faire se détendre, on va la faire jouer à des jeux vidéo, ça sera très bien. D'ailleurs, je pense pas encore avoir mis de traits de caractère à cette maison. Je vous le dis, je pense pas en avoir mis. Ce serait bien que j'en mette. Mais tu joues, joue. Allez, vas-y, joue, éclate-toi. Ça t'aura la blinde de points en jeu vidéo. Par contre, je suis arrivée parce que. Je rigole parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que. On doit atteindre le niveau 3 d'une compétence pour avancer à l'école. Et il y a des compétences en jeu vidéo. Je vous garantis que si y avait eu ça à l'école quand j'étais plus jeune, j'aurais eu des très bons points. Bon. Allez, concentrée la meuf. Yeah! Bah voilà, ça c'est bien ça. Mais le gars là, machin Munch, là, il est où? Il est où le mec là qui voulait nous voir? Il est où? Ah voilà. Y a pas un ado là qui pourrait être bien? Hop, on va l'inviter à venir sur terre actuelle. Il va arriver, super. Par contre, j'ai vu qu'il avait des ailes d'ange. Oh là, oui, non, écoutez, non, je peux pas le laisser comme ça. Je vais juste le changer. Je vous reprends après, parce que c'est vraiment horrible. Re, les amis, donc. Je l'ai changé un petit coup. Hop. On va un peu discuter avec lui, voir un peu ce qu'il a dans le cerveau, s'il est sympathique, s'il pourrait être un magnifique petit ami potentiel pour la Miss. Car je sais que dans la saison 1, hein, ça vous avait manqué. Désolé les gars, je fais mes ongles en même temps que je joue et je vous parle. Donc voilà, là je suis tranquillou, posée, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais non, mais non, mais. Le mec se barre. Elle fait tec-tec et. Ah voilà, ok. Bon, c'est pas le plus beau mec de la Terre, mais il a un petit truc quand même. Il est solitaire. Il est solitaire, oui, bah écoutez, ça peut quand même faire un bon ami, un bon pote. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, ça va discuter ici. Bon. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme trait? Donc on sait qu'il est solitaire et qu'il adore la nature. Ça n'a pas grand-chose à voir avec moi, je dois avouer. Hein. Enfin, avec Jade, hein. Faut l'avouer. Moi, c'est pas grave, ils vont juste devenir amis, hein. Il n'y a pas de mal. Oh mince, elle est blasée, quoi. Je crois que la conversation est ennuyeuse pour elle. Désolé les gars, je me fais mes ongles en même temps, j'ai envie de me les faire. Discussion ennuyante. Ouah! Lui, il est de super bonne humeur, mais elle est en mode. Qu'est-ce qu'il est chiant, ce mec! Bon. Non. C'était une fausse bonne idée. C'était une fausse bonne idée, les amis. Vraiment une fausse bonne idée. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein, tu peux te barrer, parce qu'on s'entend pas spécialement bien. Je suis désolée. Au revoir. C'était très sympa. Bah écoute, moi je me suis fait chier, mais tout va bien. Oh là là, non, quoi. Lui. Bah écoutez, lui va faire un peu de sport. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vais agrémenter ma salle de sport là. Parce que là, ça commence un peu à être un peu nul là. Hop. C'est bien sûr ce moment-ci que mon chat décide d'aller dans sa litière parce que c'est pas amusant. Hop, comme ça ici. Ok.
Ok, d'accord, un truc qui est bugué, d'accord, tout va bien. Voilà. Donc, je vais agrémenter la salle de sport. Activité compétences. Ici, voilà. Truc de sport. On va mettre un truc ici comme ça. Je peux pas, je sais pas si je peux avoir une télé. Appareil électronique, je peux pas avoir une télé au mur. Ah, si, voilà, regardez, hop, comme ça. Hop. Ensuite, mettre une radio. Tiens, j'ai très envie d'avoir une radio. Transistor, ok. Mettre cette petite radio ici. Hop. Activité, compétences. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Glissade, peut-être pas. Tapis de yoga. Tapis de yoga, voilà, près de la radio, ça peut être chouette. Et un pinching ball, sac de frappe, défoulement, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime assez bien. Et pour... ouais non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce que je peux peut-être avoir des décorations? Ça pourrait être chouette de décorer un petit peu. Non, je sais pas. Ouais non, on va laisser comme ça pour le moment. C'est déjà pas mal, je suis assez contente. Ouais. Hop, entraînement. On va allumer la télé. Voilà. Regardez la chaîne bah, d'humour, hein, voilà. Voilà. Tandis que toi. Oh bah écoutez, du sport les mecs, hein, faites tous les deux du sport. S'entraîner au yoga. Voilà. La petite ici, bah, elle s'en fout un petit peu du sport, elle. C'est très peu pour elle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'avais oublié qu'on avait les tableaux d'elle petite et tout. C'est trop chou. C'est trop mignon. Ah là là, je vous jure, je me perds avec ces pièces à la con qui se mettent pas. Oh, la compétence bien-être, d'accord, ok. Hop là. Bon. Petite photo hein, pour la miniature, les amis, tant qu'à faire. Donc, pom pom pom, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh bah écoutez, elle va cuisiner, ça peut être chouette. Cuisine, elle va préparer à dîner pour tout le monde. Ah, des nigiris? Oh, je vais faire des nigiris de groupe. Oui, parce qu'elle avait goûté ça au truc, donc... Oh, on aurait dû aller au marché aux puces, les gars. On aurait vraiment dû y aller, parce que quand je vois ce que ça nous aura fait, là... rien de ouf, hein. Autant vous le dire. Le gars, là, on l'a vu, ça n'a rien fait du tout. Oh là là, à part le fait qu'on se fasse chier. Bon, ma petite Jade. Tu nous fais des nigiris. Bon, on n'a rien vu, Jade. T'inquiète pas. On n'a rien vu du tout. Tout va bien. Mais oui, mais il faut faire doucement aussi. Bon, je vais avancer un peu plus vite. Tu peux le faire, j'en suis sûre. Waouh! Bah écoute, hop. Les nigiris sont médiocres. Prendre une portion, on va voir ce que ça va donner. Pendant que j'ai mes chats qui pètent des câbles derrière moi, tout va bien, vous inquiétez pas, personne n'est mort, les amis. Juste mes chats qui s'amusent en fait. Je peux pas les empêcher de vivre, donc voilà. Ils sont en train de se poursuivre, je vous promets. Qu'est-ce qu'il y a? Doigt maladroit, ok, parce que c'est pas manger avec des baguettes. Oh, mais comme elle pique dedans! Oh non, comme elle pique dedans! Et les gars ici, comment ils se sentent? Oh, mais ils sont chauds! Ah, mais oui, tu peux rester penché comme ça, tu sais, Paolo, il n'y a pas de problème. Pendant qu'il y a Pierre qui sue. Il est concentré! Ah, oh, c'est chouette! Ouais, tu peux rester comme ça. Ouais, ah ouais. Bon, ça va, ok, j'arrête. J'arrête, les amis. Ben quoi?
T'as pas fini? Allez, il te reste ton point que tu peux faire. Allez, repousse tes limites, tu peux le faire. Yeah, c'est bien. Ça, c'est bien. Hop, les nigiri là-dedans. Et je crois que je vais la faire un tout petit peu travailler en plus. Hop. Ça peut pas lui faire de tort en fait. Et d'avoir une bonne note le lendemain, ça pourrait vraiment être bien. J'aimerais vraiment bien qu'elle remonte, qu'elle redevienne une très bonne élève. Ça pourrait être bien. Ah, super. Bah voilà. Bah voilà, hop. Elle va aller retourner souhaiter prendre une douche, puis après je pense que hop au dodo parce que ça pourrait être pas mal. Peut-être un petit peu de temps sur le PC, je sais pas. J'ai mes chats qui pètent des câbles derrière moi, tout va bien. Et oui, ils sont en train de se courir l'un après l'autre. Je vous jure, c'est du folklore de tourner avec eux. Ok, il y a Sakura qui souffle sur Ronnie, tout va bien. Je me tracasse pas. Allez Pierre! Allez Pierre, tout va bien, tu peux le faire. Il aura fa... Ils ont fait du sport tous leurs dimanches, les gars, là, ça c'est bien. Bon. C'est bien comme ça, hop. Plus de choix, ouvrir. Ils vont manger. Ils vont goûter ce que leur fille a fait, tiens, voilà. On voit qu'on va dire Jadis, mais tu sais que tu peux faire appeler tout le monde à table. Oui, mais elle a déjà mangé. Voilà, hop. Ouais, joue un petit peu. Ah ouais, elle sera bien là. Ah ouais, là, elle sera vraiment bien. Allez, hop. À dormir. Ok, d'accord. Bah, c'est pas mal. C'est très très cool. Bon. C'est très très cool. La petite, elle dort. C'est une... Enfin, la petite. Si mes chats pouvaient arrêter de se mettre sur la gueule derrière moi, ça m'arrangerait. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils vont se vexer si un va pisser pendant que l'autre prend sa douche? Il s'est vexé? Non, il s'est pas vexé, c'est bien. Moi, je dis petite séance de crac-crac pour les deux. En plus, la petite, elle dort. Donc, ça va pas la réveiller. Hop, amour. Faire crac... Dans le placard, genre dans le placard de la gamine. Bon, bah, c'est chouette. On aura fait un petit peu de sport. On aura peut-être essayé de trouver un pote, mais c'était pas super concluant. Hein. J'aimerais quand même vraiment bien pouvoir trouver un petit copain pour elle, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien. Ou une petite copine, peut-être. Mais plus petit copain, cette fois-ci. Plus petit copain. Hop. Elle. Elle a déjà de nouveau faim. Tu rigoles? Mais qui me chatouille. Ma narine droite qui me chatouille. On parle de moi en mal, comme disait ma grand-mère. C'est qu'on parle de moi, c'est qu'on pense, c'est qu'on parle de moi ou qu'on pense à moi en mal. Je m'en fous. Ah, ça me chatouille vraiment. Waouh. Bon, bah les amis, je crois que je vais déjà vous laisser. Ça aurait été un épisode pas super productif. Hein. Si on aura fait du sport, on aura fait un petit peu de travail supplémentaire. On aura grimpé nos petits trucs, enfin nos compétences, voilà, je vais y arriver. On aura grimpé nos compétences pour ben, essayer d'être une meilleure élève à l'école.
Voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est ici que je vous laisse. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. Je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de me découvrir, à mettre un petit pouce, tout simplement. Gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.